L'action collective ou class action est une action en justice qui permet à un groupe de personnes de poursuivre ensemble une entreprise pour demander la réparation d'un même préjudice. Née aux États-Unis où elle est monnaie courante, elle est souvent demandée par des actionnaires lésés ou des consommateurs. La procédure présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est efficace, un seul procès pour régler tous les litiges. L'effet de groupe ensuite permet d'être défendu par un avocat à un coût raisonnable malgré le faible montant du préjudice subi et de la compensation espérée. Enfin, les dommages et intérêts éventuels ne concernent pas uniquement les victimes qui ont porté plainte. Après le jugement, les victimes qui n'étaient pas parties au procès peuvent se manifester et bénéficier de la réparation. L'Union européenne cherche à se doter d'un système de recours collectif, mais pour l'instant, un tel mécanisme existe seulement dans quelques pays, comme par exemple au Portugal, en Italie ou au Royaume-Uni. En France, un projet de loi instituant l'action collective a été déposé au Parlement. Si elle était mise en place, elle pourrait s'appliquer par exemple aux passagers du paquebot Costa Concordia, qui a fait naufrage en janvier 2012, ou aux voyageurs bloqués en 2010 par l'éruption du volcan islandais de l'Eyjafjöll.